Bonjour à tous, c'est Valo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super les amis. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle série qui vient d'être annoncée au Japon, enfin plutôt dévoilée, c'est S11A. Alors vous savez que j'adore vraiment les extensions japonaises, les cartes, c'est vraiment... ça a vraiment rien à voir avec le français. En plus, c'est souvent des petites séries, donc plutôt facile à compléter que les françaises, où ça met plus de temps, où il y a moins d'extensions. Mais la série de cartes est vraiment énorme, 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 qu'au Japon, il y a vraiment une série tous les mois. Alors, S11A incandescent Arcana vient d'être dévoilé et qui va sortir le 2 septembre prochain. Avec comme carte favorite, le petit Goopix d'Alola. Franchement, je trouve vraiment superbe, surtout en V-Star. Même sa carte V, elle est incroyable. Et rien qu'au niveau des boosters aussi, les boosters, vraiment, je les trouve vraiment sublimes. D'ailleurs, je vous mettrai toutes les photos sur les côtés pour vous montrer un petit peu les illustrations qui sont vraiment magnifiques. J'ai l'impression que Pokémon Company au Japon, ça se développe vraiment de plus en plus niveau illustration. J'ai l'impression que c'est vraiment de plus en plus high level. Vraiment, vraiment. C'est... Donc voilà, pour cette petite information, si t'es pas encore abonné à la chaîne, vraiment abonne-toi, ça me ferait vraiment plaisir. Alors, on connaît pas encore les secrets, mais il y a encore les petites TG qui ont été dévoilées, encore pas toutes. Il y a vraiment des ultras, elles sont vraiment magnifiques, notamment aussi avec Gardevoir qui sera à l'effigie de cette extension. Et on aura une petite carte radieuse qui a été dévoilée pour l'instant, c'est bien sûr Jirachi. La carte en japonaise va être juste magnifique, je vous la mets juste ici. Et voilà, on a un petit peu fait le tour. Alors bien sûr, on en ouvrira sur ma chaîne du S11A le 2 voire le 3 septembre, parce que j'ai précommandé quelques displays. Du coup voilà, pour les nouvelles qui vont arriver de Pokémon dans les prochaines semaines. Allez, ciao, bye bye, c'était Valou.